Moi, je vais vous parler de mon expérience. Voilà, donc moi, je suis sur une ferme de polyculture élevage où il y avait à l'origine donc un élevage laitier qui a été abandonné l'an dernier, mais remplacé par un élevage d'engraissement de bovins. Voilà. Donc je vais vous présenter la ferme, dont il y a une centaine d'hectares, avec donc pour culture essentiellement maïs, soja, blé, mais c'est plutôt un mélange de céréales à paille, c'est blé, triticale, orge, avoine, comme ben, tout est utilisé pour l'atelier d'engraissement, comme dans les couverts, je privilégie la diversité, puisque l'an dernier, ben, un mélange comme ça de plusieurs espèces a été plus productif qu'un blé pur. Voilà, il y avait exactement 20 quintaux de plus, alors c'est quand même assez surprenant, et avec un état sanitaire bien meilleur en plus. Voilà. Alors, bien entendu, il y a toujours, le sol est toujours couvert, voire des doubles couverts, pour, mais ça a été rabâché là, depuis hier matin, dont le sol ne doit jamais être nu, toujours couvert pour séquestrer un maximum de carbone, et puis bon, tous les avantages que ça peut entraîner, bon, voilà, ça a été clairement dit, tout ça. Donc l'engraissement, c'est de l'engraissement de génisse et de thorium, blond d'Aquitaine. Là, il y a aujourd'hui 400 places. Là, dans quelques semaines, on sera à 500 places. Et ben, l'idée, c'est de travailler en complète autonomie pour l'élevage. C'est-à-dire que même la protéine, maintenant, n'est plus achetée, puisqu'on arrive à avoir une ration équilibrée avec un traitement de céréales. Voilà. Alors, je ne vais pas vous parler de ce traitement, puisque le concepteur, ben, je crois qu'il intervient demain. Donc, lui pourra vous en parler. Ensuite, on est deux UTH avec mon frère, mon fils revient également sur la ferme. Les sols, ce sont des sols très fragiles, vous allez voir, ce qu'on appelle des boulebènes peu profondes, c'est des limons très très battants. L'exploitation est en semi-direct sous couvert végétal depuis 2001. Il n'y a plus de fongicides ni d'insecticides depuis pas mal de temps déjà. Même les herbicides sont vraiment revus à la baisse. Voilà, et puis l'accompagnement, bon voilà, je cite un peu, c'est-à-dire, voilà, on avait démarré avec Agrodoc, Lucien Segui, Conrad, Lafaf, voilà, toutes les personnes qui ont pu amener pas mal de suivi. Aujourd'hui, c'est vrai que Lucien Segui m'apporte pas mal, et j'ai vraiment compris que justement, que par rapport à l'enherbement, le couvert végétal peut nous aider à contrôler les adventices. Alors ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment assimilé au départ, mais là maintenant c'est vrai qu'on peut aller très très loin avec des couverts végétaux disons faits le plus correctement possible pour justement contrôler les adventices. Voilà, alors un petit historique rapide. Moi, je me suis installé en 83 sur une ferme qui était à 3% de matière organique, labour, et une petite vingtaine d'années après, 1,5 point de matière organique en moins. Donc là, c'est assez parlant. Là, j'ai très rapidement compris mais qu'il fallait arrêter ce système-là. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer à ce moment-là Claude Bourguignon, Lucien Segui, Carlos Croveto, voilà, tout un tas de personnages qui, voilà, quand on les écoute une journée, bon, si on ne comprend pas, là, je me suis dit, c'est pas possible, tu es bête, quoi, parce qu'il faut, vraiment changer de pratique. Et puis, bon, moi, je n'ai pas fait de transition, je suis passé directement donc, du labour au semi-direct sous couvert. Alors au début, ben, les deux ou trois premières années sans accompagnement, c'est pas simple. Bon, après, ça s'est vite redressé. Alors bon, je passe vite. Et en 2013, il y a eu un autre passage très important, c'est le semis du maïs à 40 décartements. Ça a permis justement, en plus d'augmenter le rendement, de contrôler plus facilement l'enherbement. Donc voilà, un plus pour diminuer encore l'impact de la chimie.
Il y a eu quelques temps après également une plantation là, d'une parcelle dans une agroforesterie. 2016, dans la mise en place de l'atelier d'engraissement, on a commencé pour faire une transition avec l'élevage laitier. Voilà. Et 2018, c'était de viser l'autonomie totale pour l'engraissement et bon, l'arrêt de la production laitière. Voilà. Question climat, vous voyez, on se situe entre un petit 900 mm avec des écarts qui vont de 700 à 1300 en gros. 700, si c'est bien réparti, c'est génial, mais bon, le problème, c'est la répartition. Comme vous savez, l'an dernier, on a eu pas mal de pluviométrie, mais les 80%, les 6 premiers mois de l'année, c'est toujours la répartition qui pose problème. Ça, c'est pour illustrer un peu les terres, cette boulebène peu profonde. Là, notamment, mais on voit, on a dessous ce fameux greppe là. Donc c'est comme du béton, c'est du caillou aggloméré. Alors quand on n'a que 30 ou 40 cm de terre, l'hiver c'est hydromorphe, l'été c'est très séchant, il y a moins de réserves. Bon, mais voilà, on fait avec les sols qu'on a et c'est pas toujours évident. Voilà. Alors ensuite, là, je vais vous parler là, d'une parcelle qui est suivie par un projet qui s'appelle le projet Bagage, qui est financé par l'agence de l'eau, le bassin Adour-Garonne. Les travaux sont effectués par l'INRA, Arvalis et puis tout un tas de laboratoires qui travaillent dessus, chacun à son rôle. Sont des travaux qui sont effectués sur 3 ans et les résultats seront restitués en 2020, voire 2021. Bon, sauf que j'ai réussi quand même, parce qu'on a eu une première journée où ils ont commencé de nous restituer quelques résultats. J'en ai récupéré 2, voilà, c'est notamment un concernant le carbone et ça rejoint ce que j'ai vu tout à l'heure, au niveau carbone, c'est vrai qu'on peut arriver à séquestrer des quantités quand même assez importantes, puisque là, notamment, voilà, c'était il y a 2 ans, quand ça a été cette parcelle contrôlée, elle avait pris donc 20 tonnes de carbone en 16 ans, donc ça fait 1,25 tonne à l'hectare et par an, donc voilà l'équivalent de 4,6 tonnes de CO2. Si on regarde sur la ferme, une centaine d'hectares, bon, ça fait en gros 7400 tonnes de CO2 séquestrées, quoi. Bon, c'est quand même intéressant, sachant que 1,25 tonne, j'ai tendance à dire, en travaillant moyennement bien, parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, les couverts étaient détruits précocement, c'est-à-dire un mois avant le semis, notamment au printemps. Et là, on passe à côté du principal, quoi. C'est-à-dire que là, maintenant, on a donc d'une part des doubles couverts et les couverts sont toujours... on les laisse pousser jusqu'au jour du semis et ça nous permet d'avoir des quantités de biomasse relativement importantes et notamment donc d'envoyer ce que j'ai compris aussi, notamment en regardant un peu les travaux de Christine John, là, de voir que ce fameux carbone liquide qu'on injecte par les racines dans le sol, c'est vraiment primordial donc pour enrichir le sol en carbone, mais également pour nourrir l'activité biologique, notamment les champignons mycorhiziens, qui, eux, en échange, fournissent des nutriments à la plante. Donc on voit que c'est quand même un échange gagnant-gagnant. Donc il faut vraiment un maximum de biomasse. Un second test là que j'ai récupéré aussi. Là, ça rejoint un peu ce qu'on vient de voir. Là, c'est un test de ruissellement qu'ils ont fait sur une surface de, je crois, c'est 1 mètre carré d'ailleurs, avec une pluviométrie donc artificielle, bien sûr, de 200 mm, donc très intense. Et on voit que donc, si on ramène donc, par rapport, là c'est comparé bien sûr avec la parcelle du voisin qui est un système labour, on voit que par rapport à du semi-direct sous couvert, il y a presque 5 fois moins de ruissellement,
Par contre, en perte de terre, là c'est énorme, puisque au litre d'eau, on voit ça passe de 12 grammes par litre en labour à 0,3 en semi-direct, donc ça fait 40 fois moins. Mais comme il y a moins d'eau aussi qui a été lessivée, ça fait 184 fois moins de terre perdue sur donc 1 mètre carré dans ce test. Sachant que ce test analyse uniquement l'érosion de surface, il ne prend pas en compte donc l'érosion souterraine, donc on voit que c'est quand même relativement important, sachant que là c'est un test donc qui est fait sur 1 mètre carré. En réalité, l'érosion est beaucoup plus importante parce que l'eau elle se cumule et dans le bas des parcelles, c'est carrément des ravines qui emportent des tonnes et des tonnes de terre. Voilà. Bon, ça c'est juste pour illustrer un peu la biomasse produite justement par les différents systèmes. À gauche du pointillé, donc c'est la production du maïs que l'on faisait donc autrefois, qui était pratiquement en monoculture, donc en gros 10 tonnes de grains. En vert, donc c'est les tiges feuilles, et en rouge c'est le système racinaire. Voilà, donc en gros, on voit qu'on passe de 24 tonnes à 37 tonnes, donc on voit qu'on multiplie par 1,5 en gros la biomasse totale, et je suis convaincu maintenant, parce que les couverts, on est en train justement de perfectionner énormément ces couverts d'été, pour justement arriver à des tonnages encore plus importants, à condition bien sûr qu'il y ait un peu d'eau, mais justement on s'apprend aussi à travailler sur des plantes qui sont capables d'aller chercher de l'eau en profondeur. Parce que le premier ou les deux premiers mois de sécheresse, on s'aperçoit que l'horizon de surface est sec, mais dessous, il y a encore de l'eau. Et quand on sait que certaines plantes sont capables de descendre de 1 cm, voire 1 cm et demi par jour, ça j'ai pu le vérifier, 80 cm en 60 jours, mais dès que les plantes sont connectées à l'eau, après c'est gagné, quoi. Et là, l'an dernier, on a pu en faire l'expérience, quoi. Voilà. Ensuite, bien sûr, c'est le végétal le plus important dans le système. Ça c'est un peu un exemple de couvert estival. Alors c'est vrai qu'on essaye tout un tas de plantes, ça c'est les principales utilisées, tournesol géant, je vais vous en montrer tout à l'heure, c'est une plante qui me plaît énormément parce que elle fait de la biomasse, elle est très haute, mais elle a également un système racinaire hyper puissant, et c'est ce qu'on recherche aussi. Ensuite les sorgho, radis chinois, sarrasin, soja aussi pour avoir une légumineuse, et puis de l'amarante. Voilà, alors de l'amarante, c'est pourquoi de l'amarante? Alors c'est pas de l'amarante sauvage, parce que justement en semi-direct on s'aperçoit que l'amarante sauvage, il n'y en a plus. Et moi j'en sème, alors ce sont des amarantes cultivées, j'ai trois variétés d'amarantes cultivées. C'est une super plante. Il faut savoir qu'autrefois, dans les jardins, j'ai appris ça en lisant le livre de Gérard Dusserte d'ailleurs, dans tous les jardins, il y a un siècle de ça, il y avait des amarantes qu'on consommait, que les gens consommaient. Et c'est vrai que c'est une super plante. Je vais même récupérer une amarante de Guinée qui est encore plus spectaculaire, qui a une biomasse énorme. Voilà, le but, c'est toujours de perfectionner les couverts avec des systèmes racinaires de plus en plus performants pour séquestrer un maximum de carbone. Voilà, ça c'est donc après donc vient au mois d'octobre vient le semi du couvert pour faire du maïs. Alors là, c'est en légumineuse, c'est en principe c'est de la fèverole. Et puis là maintenant, il y a du seigle, il y a du triticale, il y a de l'avoine, parce que pas mal de fèverole pour l'azote. Mais on commence à jouer aussi sur la couverture du sol pour contrôler l'enherbement et réduire l'utilisation des herbicides. Et là, on s'aperçoit que les graminées, elles ont un rôle à jouer. Visiblement, même pour séquestrer du carbone, quand on lit un peu les travaux de Christine Jones, il semblerait que la graminée est même plus performante que la légumineuse. Mais moi, je ne suis pas biologiste, moi, je ne peux pas vous en parler.
comme eux le feraient. Voilà. Ça, c'est donc un couvert pour faire du soja, c'est-à-dire là, il y a... je mets quand même pas mal de féberoles maintenant, tout simplement pour l'effet azote, parce que c'est vrai que même pour faire du soja, on s'aperçoit que quand on a un sol qui est assez fourni en azote, ben, le soja aime bien, et puis bien entendu, de la céréale aussi pour avoir cette fameuse couverture. Bon, là, je vais vous montrer donc une série de photos. Ça, c'est un couvert estival. Ça, c'était les premiers couverts que je faisais. Donc, avec du tournesol, mais là, c'était du tournesol classique, avec essentiellement du sorgho à ce moment-là. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on peut faire avec du tournesol géant. Qu'est-ce que vous faites dans le tournesol, là ? Vous embrassez le tournesol. Voilà, je regarde s'il fleurit et puis il n'y a qu'une fleur là encore. Donc il est à peine tout début floraison. Ça c'est assez plaisant parce que là, quand on a des plantes comme ça, là on se dit mais vraiment ça bosse quoi. On séquestre 2 minutes. Eh oui. Ah oui, bon, on va accélérer. Mais le temps passe, vous savez, le temps passe. Allez, on va accélérer. Voilà, alors ça, c'est le semis du deuxième couvert dans le premier. Voilà, alors là, il n'y a pas d'utilisation de glyphosate. Bon, vous avez obtenu 2 minutes de plus. Bon, c'est gentil, merci. Ben, c'est pas de ma faute, hein, mais vous avez des gens qui vous aiment beaucoup. Bon, d'accord, allez. On va avancer vite. Ça, c'est des amarantes. Voilà. Alors moi j'aime bien cette plante parce que bon j'ai pas mis là parce qu'on n'avait pas le temps des photos de systèmes racinaires, mais c'est très très puissant. On avance. Là c'est toujours un semis du deuxième couvert donc dans le premier. Alors chaque culture a son couvert. Là maintenant on va passer dans un couvert pour faire du maïs, c'est-à-dire un couvert riche en légumineuses. Après avoir essayé pas mal de choses, à la limite, c'est le travail simultané, roulage et semis en même temps. Voilà, c'est après avoir essayé pas mal de choses. Bon, moi, je me suis arrêté sur ça. Pour le moment, ça fonctionne bien. Alors, quand on sème, il faut que ça lève, il faut qu'on récolte, hein, d'autant plus qu'on a un troupeau à nourrir, donc il ne s'agit pas d'acheter le grain au voisin, il faut le produire. Voilà, et puis, on s'aperçoit que soja ou maïs, ça passe bien, ça traverse bien, même une feuille de féverole, je vois, ça traverse. C'est vrai qu'il y a il y a quelques petites astuces aussi, pour les agriculteurs. Il faut savoir que quand on a une couverture comme ça, il faut semer moins profond dans la terre, parce qu'il faut se dire qu'il y a la terre à traverser plus le végétal. Donc, il y a des petites astuces. Voilà, et puis après, le maïs, il pousse sans problème. Voilà. Alors en termes de contrôle des adventices, on essaye justement de voir jusqu'où on peut pousser la graminée dans les mélanges pour justement contrôler les adventices. Là, je pense que c'est un peu le travail des années à venir pour réduire. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire supprimer, mais j'ai tendance à dire souvent utiliser la chimie en roue de secours. C'est-à-dire, quand vraiment il la faudra, c'est comme nous, même si on est très écolo pour se soigner, le jour où on chope une vraie saloperie, il faudra bien se soigner, quoi. On ira voir le médecin, il nous mettra des antibiotiques, quoi. Bon, voilà. Là, c'est pareil, en termes de biomasse, c'est une variété là, que j'aime bien, parce que d'une part, elle est productive, et puis elle a un port assez important, un gabarit assez important. Donc, quand on sort 14 tonnes de grains à l'hectare, on peut estimer qu'il y a 10-12 tonnes de cannes qui restent, cannes et feuilles, donc tiges et feuilles qui restent au sol, parce que là, le chantier de récolte, c'est à l'ensileuse, mais on récolte que l'épi. Voilà, la batteuse est équipée, l'ensileuse est équipée d'un cueilleur de batteuse et on récolte que l'épi donc, pour avoir un produit donc, pour l'engraissement donc, assez riche. Voilà, maintenant on va passer là, sur un couvert donc, pour faire le soja. Donc là c'est plutôt une dominante graminée, ça c'était un des premiers, c'était même du triticale voilà, que j'avais fait. Là c'est avec du seigle, féverol et il y a l'avoine aussi, mais l'avoine on la voit pas, elle n'était pas encore vraiment montée. Voilà. Il vous reste rien.
Bon, si, allez, 30 secondes. Non, c'est comme fini. Voilà. Voilà. Et puis le soja, il traverse, il n'y a aucun souci. Et la photo peut-être la plus intéressante, c'est celle-ci. C'est le même couvert, c'est le même soja, se met tout en même temps. La seule différence, c'est qu'en haut à droite, le couvert a été roulé un mois avant le semis. Ce qui veut dire que quand on roule avant, déjà on produit moins, il y avait peut-être 2, 3, 4 tonnes de matière sèche en moins, et, bon ça j'ai pas pesé, mais il y en avait beaucoup moins, et puis le sol s'est retrouvé quasi nu quand le soja a été semé, ce qui fait que les graminées, hélicotes, ben, tout a levé, donc si ça n'avait pas été désherbé, ben, je récoltais pas, et la parcelle, l'autre parcelle, à ce stade-là, elle n'était pas désherbée encore. Donc on voit qu'avec le végétal, on peut vraiment aller loin pour contrôler. Alors, bon, je ne vais pas m'avancer pour dire qu'on est prêt à supprimer la chimie totalement, mais on peut aller quand même assez loin, très très loin dans cette technique-là. Christian, si vous faites vite, j'ai une question pour vous. Pardon ? Si vous faites vite, j'ai une question pour vous. D'accord, voilà. Bon, là, on s'approche, là, on est en fin d'été. On voit d'ailleurs, là, cette photo, c'était juste pour montrer des champignons sur les pailles, des champignons mais qui dégradent tranquillement les pailles. Il faut encore savoir qu'ils sont là, quand même. Il y a encore du couvert. Bon, le soja, donc, à maturité. Et puis ensuite, bon, pour terminer, je vais vous montrer juste deux photos de plantes mais qu'on teste un peu. Bon, celle-là, bon, je crois que vous l'avez déjà vue pas mal. Ça, c'est... Oui, ça, oui. C'est du maïs population, une population brésilienne, bon, qui malheureusement n'est pas productive au niveau grain parce que c'est beaucoup trop tardif. À mon avis, c'est indice 7 à 800. Donc, en Espagne, peut-être que ça marcherait bien. Mais par contre, c'est vrai que ça fait une biomasse phénoménale. Et ensuite, bon, c'est ce fameux tournesol géant. Alors lui, par contre, lui, je l'aime bien parce que il a été semé en même temps que le maïs, dans le maïs d'ailleurs, là je m'étais amusé à le mettre dans le maïs, et on voit il est une fois et demie plus haut que le maïs semé en même temps, donc on voit que c'est vraiment une sacrée plante, quoi, et voilà, et je termine en vous disant merci.